Bon, alors je t'explique, je suis méga en retard. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, ça n'arrive que très peu quand je suis en avance. Et quand je suis en avance, c'est les gens qui sont en retard. Voilà, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, vraiment en retard. J'ai pas mis le vlog pour la semaine, prochaine. Pour ce soir. Je suis désolée de vous accueillir avec une mauvaise vibe comme ça. Là, je vais devoir aller capter le wifi de quelqu'un, ou enfin pas de quelqu'un, mais enfin d'un resto ou d'un truc comme ça, rapidos. Je vais poser un cappuccino s'il vous plaît. Bien sûr. Vous prenez un emporté ou sur place? Sur place. Okay, je vais utiliser un peu votre wifi, ça ne vous dérange pas? Mais non, pas du tout, madame. Bon, bah le McDo, c'est pire que chez moi. Hein. Ça fait 10 minutes à 1%. Je suis en train de câbler. J'ai rendez-vous dans une heure avec Edine. Je sais que tu vas voir ce vlog, Edine, parce que t'es dedans, donc c'est sûr que tu vas cliquer. Mais là, laisse tomber. J'ai rendez-vous avec lui pour une journée entre franco-algériens, entre algériens. Nous sommes de nationalité française et de nationalité algérienne. Et on va faire une journée à Paname. Donc j'espère que ça va être le fun, parce que là, franchement, vu le début de la journée avec les mauvaises vibes du wifi qui me casse les bonbons, pour pas dire autre chose, j'ai mis 50 ans à vouloir m'habiller, à choisir des outfits pour au final me sortir un t-shirt blanc, un legging. Enfin un legging, pas un legging, je mets pas de legging. Pff, qui met des leggings en 2020? Le gloss, le masque, tu connais? Tu connais ce combo? Ce combo dégueulasse. Mais que je continue de faire. Allô? Ouais, tu ne devineras jamais, je suis en avance. À toutes. Un couscous 4 merguez à 8 €, je pense que c'est du jamais vu. Déjà une très bonne place pour les prix. Et vous avez aussi derrière donc quelques desserts. Et bien sûr, vous avez la traditionnelle, le Selecto, qui pour moi a le goût des arlequins. Je sais pas si vous aussi vous pensez ça. T'es pas algérien si t'aimes pas le pain. Franchement, je pense qu'on est les plus gros consommateurs au monde de pain. On a toujours des millions de baguettes chez nous. Ça n'existe pas une maison d'Algériens sans pain. Les gars, c'est la première fois que je suis en avance. Enfin, deuxième fois. Et que la personne que j'attends, elle est en retard. Regardez, en plus, il se ramène comme une abeille. Alors, hello, dis-leur salut. Salut, bonjour. Putain, t'as vu? Ça rend bien. Bah, c'est oui, le thème de la vidéo, la chérie des Arabes. C'est les yu-yu. Je sens que ce vlog va être très drôle. Oh là là, et je pense qu'on va dormir après. Il y a des canapés ou pas? Parce que là, franchement, la vérité. Ouais, voilà, je prends une banquette et on est prêt pour dormir. Donc voilà, ça a l'air vraiment bon. Franchement, les gars, c'est vraiment, vraiment pas cher. Je suis choquée. Regardez mon vlog, wesh. Bon, et ben en fait, ils voulaient pas nous laisser partir, du coup, ben on est reparti. On n'est pas encore reparti. On va manger ça et on va boire le bon thé, le thé, parce que c'est la base. Cheers. Allez, 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 cheers. On est sur une journée très détox. Quelle dégaine. Allez, c'est parti. We'll be right back.
On est actuellement en train de crever parce qu'il fait super chaud. Franchement, moi quand je suis partie, c'était grave nuageux, donc j'ai mis ce manteau. Mais je vais vite l'enlever là, je te le dis. Dis-moi l'aide. En dessous, j'ai mon t-shirt heureusement et mon cycliste parce que je voyais le bail venir, mais j'étais pas sûre. Et comme j'ai plusieurs personnalités, bah, je me suis dit que la personnalité Myriam du Montréal, elle allait mettre ce manteau et Myriam de Paris, elle allait s'habiller un peu plus. Donc dans 3, 2, 1, je le retire. Et voilà, on se retrouve au niveau du musée du Quai d'Orsay. Avec Edine, on va passer l'après-midi ici. Il faut réserver les amis. Si vous voulez rentrer facilement, réservez d'abord sur le site. Où il y a des Algériens? Alger. Homme du Soudan, costume algérien. Oh là là. Le Soukara Koumen Andi, même Andi. Oh là là. Ou ça, c'est Abdelkader, mon père. Tu penses qu'elle a mangé du couscous dans sa vie ou pas? Oui, oui, ça se voit. Tu vas pas le pli dans le dos. Et elles ont mangé le couscous et elles sont fatiguées. C'est ça. On est dans le thème, les gars, là. Paysage algérien. 1, 2, 3. Donc nous avons ici un tableau de Pierre Renoir, Pierre Auguste Renoir, nommé la mosquée, dit aussi fête arabe, qui représente une fête dans les remparts turcs d'Alger. Waouh. Hein? Les villas de Bordighera. Borderera. Je sais pas comment on dit en arabe. Bordighera qui est. Bordighera. Qui est situé où? Je pense en Italie. Lui, tu penses qu'il est mort ou qu'il a mangé un couscous? Craft, c'est le couscous, ça y est. Casey Neistat, il disait toujours never escalator, always stairs. Always moving. Always the stairs, never the escalators. Bah désolé Casey, mais je vais pas t'écouter aujourd'hui parce que j'ai mangé un couscous, frère, et que je suis vraiment à l'ouest. Alors cette petite visite au musée, t'as aimé? Ouais. Est-ce que tu recommanderais le musée d'Orsay à voir au moins une fois dans sa vie? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de Van Gogh quand même. Moi je trouve que c'est quand même riche. Van Gogh, Renoir. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'était vraiment beau. C'était vraiment bien. C'est parti pour un petit... Un petit café. Papa. Quelle surprise. Le café des deux musées. Allez, on peut se poser là-bas. Allez. C'est très bien. Je suis prêt vers quoi? Pas. Regardons la carte. C'est sympa là, le petit coin là avec les trucs. Allez. Et bah finalement, retransition. Tadam! Je sais même pas comment il s'appelle. Trop voilà. Cute, trop cute. Oh là, ils ont écrit Pizzette. Oh, j'avoue, c'est trop chez nous ça. En fait, le masque c'est vraiment insupportable. Je m'en étais pas rendu compte. Putain, j'ai du masque bonjour. Partout et tout. Bonjour! C'est 5,80€ le coca. Voilà. En fait, je m'étais pas rendu compte avant de sortir et avant cette sortie que le port du masque bah, c'est hyper contraignant. Parce que déjà t'as super chaud, ton make-up il déballe, enfin voilà quoi, en gros tu te maquilles pas, ça sert à rien. Et puis là tu vois je suis même en activité, donc c'est-à-dire que j'étais en train de visiter un musée et c'était désagréable. Alors j'imagine pas vraiment pas les gens qui sont en train de travailler. T'es pour le port du masque? En fait moi honnêtement c'est pas que je suis contre, mais c'est que si clairement t'es en face de quelqu'un qui l'a, ok, et qui le porte pas. Il peut s'y aller, il te parle. Bah clairement, ouais. Toi tu oui, as... oui, tu peux. Donc c'est ça, tu vois. À l'intérieur, oui, mais dans la rue. Dans la rue, c'est pas vraiment utile. Bon, bah écoutez, de toute façon, voilà. J'ai plus de batterie. Oh voilà. Je l'avais prévu. Voilà, depuis tout à l'heure, elle arrête pas de dire ça à l'aïn. Voilà. Khamsa fi ainik. Mais c'est pas grave. Donc de toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ne prenez pas mal les clichés, etc. qu'on a mentionné dans cette vidéo. C'était vraiment avec du second degré, la touche d'humour. Il n'y en a pas trop.
on vous salue avec nos super t-shirts Atlal from Galbi. Et bah justement, ce vlog a été fait avec le cœur. Je vous fais de gros bisous, bye, à demain.